Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique le deuxième exemple de ce capteur photorésistance LDR en simulé. C'est le capteur luminosité. On varie en luminosité. Et d'abord, le code source. Pour utiliser serial moniteur, exemple de capteur photorésistance LDR en simulé, on varie et voir les valeurs de sa résistance. Il change en fonction de sa résistance. Et ensuite, on explique le code source de ce programme Arduino. Fonction setup appelée au démarrage de la carte Arduino. T-void setup. Initialiser la communication avec le PC, la communication entre la carte Arduino Uno et le PC. C'est Serial Begin. La communication, c'est-à-dire Serial Monitor. C'est ça la communication entre la carte Arduino et le PC. Ensuite, fonction Loop. Troisième partie, c'est le programme. Appelé continuellement en boucle tant que la carte Arduino est alimentée. Mesure la tension sur la broche A1. C'est le rôle de de sa ligne. INT valeur analog grid, c'est-à-dire mesure la tension sur la broche A1. On met une broche A1 pour attacher la carte Arduino par le capteur en l'entrée A1, l'entrée analogique A1 et l'alimentation 5 volts et JND, c'est-à-dire la masse et la résistance. Mesure la tension sur la broche A1 et un T valeur égale analog grid A1. Ensuite, on voit la mesure au PC pour affichage. Et attendre 250 millisecondes. C'est le rôle sériel println, c'est-à-dire écrire où on voit où on voit la mesure. Delay, c'est-à-dire attendre 250 millisecondes. Abonnez à la chaîne électromécanique et merci.